Good morning, à l'Eden, je vois aujourd'hui les Louis Nishmat Adel Batsol Tarab de Bet Banish, Charlie Shalom Benjamin Sarah, ainsi que de Fouad Olivier et celle Shimon Ben Chaya Esther, Kamchat Nariam Batrozena Ben Chbiva Vetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, quand il y a 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Eruvin Perekhe, Mishnah Bet, Notnin Karpaf La'ir Divrei Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, Lo Amru Karpef. Ella, ben chte ayarot, imiesh lezo shivim ama vishiraim, velazo shivim ama vishiraim, ose karpaf lishtehen lihyot ke achat. Depuis le cinquième perek, on a commencé à préciser comment calculer les 2000 amas, le troum d'une ville. D'accord? C'est-à-dire, à Shabbat, on avait bien expliqué le principe, il y a d'abord l'endroit, ma place. Et autour de ma place, il y a le domaine dans lequel j'ai le droit de me déplacer. Ma place, si je suis tout seul dans le désert, j'ai 4 amotes. Et autour de ces 4 amotes, si j'ai l'intention de m'installer ici, alors j'aurai même aussi la possibilité de marcher de 2000 amas aux alentours, qu'en fait, on apprenait dans la mission précédente que c'est 2000 amas, tu ne fais pas un cercle, tu fais un carré. Un carré autour de toi. En carré, donc comme ça, tu vas gagner même les diagonales. D'accord? Au lieu d'avoir 2000 amas, du coup, ça va devenir des 2800 amas. C'est très conséquent, c'est de, on rajoute 2 cinquièmes en général, racine de 2. Maintenant, la Mishnah m'enseigne. Notnin karpaf lair. Ah, avant d'arriver d'abord, je reviens sur la ville. Maintenant, j'ai parlé de celui qui est tout seul dans le désert, et la ville, elle est considérée comme mes 4 amotes. Donc autour de ma ville, maintenant, tu vas me donner 2000 amas, et on avait appris dans la Mishnah précédente que d'abord, on va à planir, à aligner, rendre carré ou rectangulaire la ville. Et une fois que tu as fait de ta ville un rectangle, à partir de ce rectangle, des côtés du rectangle, tu vas mesurer la 2000 amas, comme ça on gagne énormément plus de terrain sur le, pour les troumim. La Mishnah maintenant commence en disant, « Notnin karpaf lair divrei Rabbi Meir. » On donne aussi un, je ne sais pas comment dire, traduire le mot karpaf, un champ vide, un espace vide à la ville. Telle est la vie de Rabbi Meir. C'est-à-dire, le Karpaf, on le connaît en tout cas. Karpaf, c'était un enclos qui était fermé, comme ça on le rapportait, et qui avait un Betsa Taïm, une mesure de 2 CA, c'est un endroit où on peut labourer, semer plutôt 2 CA de blé. Ça correspondait concrètement à 70 amas et des poussières. On l'avait déjà évoqué plusieurs fois. Donc en fait, la machine me dit, tu sais, autour de la ville, c'est pas que dès que maintenant que tu as fait ton carré, tu mesures directement tes 2000 amas. Non. Tu donnes d'abord, en plus, tu ajoutes 70 amotes supplémentaires, 35 mètres, et à partir des 35 mètres, des 70 amas et des poussières, tu commences à calculer tes 2000 amas. Regardez combien de choses on rajoute. Rabbi Meir déduit cette halakha-là. Vous avez compris, je répète, je ne sais pas si c'était assez clair. Je recommence. Une fois qu'on a la ville, donc la ville, normalement, une fois que, bon, imagine que tu as une ville carrée ou bien que tu rends carré ta ville rectangulaire. Tu dois calculer tes 2000 amas. Avant les 2000 amas, tu laisses d'abord un espace, un périmètre autour de la ville de 70 amas. Et autour de ces 70 amas, à partir de là-bas, tu commenceras à calculer tes 2000 amas. On a gagné encore plus de terrain, selon Rabbi Meir. Rami, on va en discuter, on répète, d'accord. Selon Rabbi Meir, ça c'est déduit de la Torah. À propos de, on a dans les arrêts à Lévim, les villes qu'il fallait laisser aux Lévim. On avait déjà évoqué ça plus haut, c'était une de la source de beaucoup de la halakhot. Selon Rabbi Meir, pour les villes des Lévim, il fallait leur laisser aussi 2000 amas autour de la ville. C'était l'espace de la ville où il fallait les laisser. C'était la Torah l'a dit. Vous donnerez la tribu de Lévi n'a pas reçu d'héritage en Israël. Ils ont reçu une parcelle comme tous les autres peuples qui ont reçu on a partagé la terre en 12, mais on n'en a pas donné à Lévi. On a donné à chaque tribu. Yosef, il y avait deux tribus, et Ephraim et Ménaché, mais à Shevet Lévi, à la tribu de Lévi, on n'a pas donné de ville, on n'a pas donné de parcelles, on a juste donné 48 villes étalées dans tout Israël. Autour de ces villes, la Torah m'a dit, tu leur laisses en plus, pour leurs champs et pour leurs animaux, 2000 amas autour de la ville. Et la Torah a insisté en me disant, hein, il rapporte le Ten Mikir Ha'ir Vachutza Elef Amas Aviv. Je ne sais pas comment c'est de dur, en tout cas la Torah me dit, Amratora, ten chutza, donne un chutz, bachakach medod.
C'est-à-dire, Mekirahir, ouais, j'ai compris. Mekirahir Vachutsa, depuis le mur de la ville et son extérieur, de là-bas, hein, tu donneras Elef Amasaviv, 1000 amas, qui sont en fait 2000 amas, c'est déduit dans la Gemara. Donc, tu donnes depuis le mur de la ville et l'extérieur. C'est quoi cet extérieur? Et bien, tu rajoutes encore un petit Chutsa, tu rajoutes encore une bande de Shivim Amashirim, qui est l'espace minimal pour. Celui qui veut, d'accord, un espace minimal autour d'une ville pour lui donner un petit peu d'air, lui laisser un petit espace libre quand on approche la ville. Et ça, c'était l'avis de Rabbi Meir. Chachamim nous disent non, ils sont pas d'accord. C'est vrai que la mesure des 70 amas et des poussières existe, mais pas pour ça. Elle était dite sur autre chose. Lo amru karpef ela ben shtei ayarot. Le principe du karpaf, de l'espace vide, n'a pas été dit dans un cas pareil que dans n'importe quelle ville, tu lui donnes d'abord cet espace vide et puis après tu commences à calculer le 2000 amas. Non, ça n'a pas été dit sur ça. Ça a été dit sur quoi? Lorsqu'il y a deux villes qui ont un espace, que Yesh les eaux, Shivim Amas Veshiraim. Si l'une, elle a 70 amas et des poussières, Ve les eaux, Shivim Amas Veshiraim. Et l'autre, elle a elle aussi à moi, des, elle aussi, des, un espace vide de Shivim Amas Veshiraim, 70 amas et des poussières, qui font au total 141, une amas et un tiers d'amas. C'était calculer les quelques poussières qu'il fallait rajouter. D'accord? Eh bien, donc en fait, entre les deux villes, chacune elle a son domaine de 70. Alors là, on sait Karpef, là, on considérera que cet espace vide, il est considéré comme la continuité de la ville. L'Iyot Keharat pourrait être considéré comme une seule. Je m'explique. On a deux villes. Une ville A et une ville B. En théorie, on va prendre d'abord un cas où on a des villes qui sont très éloignées. Assez éloignées, à moins de 2000 amas. Le Shabbat, on peut venir de A jusqu'à B parce que c'est dans les 2000 amas, même sans faire de Hérouv. On peut partir, venir sans problème, on sera juste limité où aller, on aura l'occasion d'en reparler exactement, mais en tout cas, une chose de sûre. La ville B, elle a le droit aussi d'aller à A. Mais la ville A, elle a le droit de sortir aussi de l'autre côté. Ouais, imaginez, elle va vers l'est pour aller à B, et les habitants de la ville A peuvent même partir aussi vers l'ouest, et ont aussi 2000 amas, ils peuvent se promener de l'autre côté. Idem pour la ville B, elle peut partir 2000 amas à l'ouest, puisqu'on va à l'envers maintenant, et elle va partir. Donc elle va partir à l'ouest, et elle peut partir dans la ville A, mais elle peut aussi avoir 2000 amas de l'autre côté. Mais par contre, un habitant de la ville A qui va partir dans B, il ne pourra pas partir en près de 2000 amas supplémentaires. Parce que lui, il est limité. La ville B n'est pas sa ville. Son domaine à lui, c'est sa ville et 2000 amas autour de la ville. Donc les 2000 amas, ils mordent dans la ville B, ils peuvent entrer dedans, mais ça ne va pas, on ne va pas transformer comme dans la ville B, c'est devenu son lieu au point où on va lui donner 2000 amas supplémentaires au-delà de la ville. Sauf si les deux villes sont espacées de moins de 141 amas. C'est-à-dire 70 amas pour chacune. On considère les espaces de 70 amas que c'est le minimum pour respirer un petit peu. Donc du coup, tu as les deux villes qui sont très collées. Il y a moins de 70 mètres dans les deux villes, c'est très fréquent. Et alors, c'est des cas qui se retrouvent à Jérusalem, par exemple, on a des grands espaces. Entre les chevronautes, c'est tout un cassement de tête. Comment considérer les. C'est des gros travaux, comment définir les villes. On se retrouve par exemple dans tout le quartier de Ramoth, qui est séparé, qui est encore plus ou moins, qui est séparé, qui est assez isolé en fait. Il y a un gros espace. C'est la même chose aussi, j'imagine, avec Ar-Khoma, je ne sais pas comment ça se passe avec les villes des Arabes au milieu, avec les maisons arabes au milieu, mais imaginez, comme ça, vous avez à l'intérieur d'une ville, des fois, on peut se mettre à rouler, avoir un très gros espace vide, où il n'y a plus de maisons, et du coup, on se retrouve avec un problème anarchique. Comment considérer ce deuxième quartier par rapport aux autres quartiers de la ville? Est-ce que c'est le même quartier de la ville ou pas? On n'est pas dans les. Il y a le même sujet qui se retrouve aussi à Pourim, ça touche encore à d'autres problèmes. C'est un peu lié, étroitement lié même, un peu plus qu'étroitement, mais c'est un peu le même principe. Comment considérer, par exemple, le quartier de Ramoth avec tout le reste de la ville, étant donné qu'il y a un gros espace où il y a en plein milieu la voie express, la Béguine, avec. Mais il n'y a pas d'habitation. Du coup, c'est pas tout relié d'un morceau. Comment le considérer? Imaginez maintenant que on réussissait, on a déjà une fois, il y a quelques années, à Pourim, ils ont essayé de résoudre leur problème en jetant des petites maisonnettes au milieu, à espacer justement à moins de 70 amas. Donc du coup, ils ont mis des petites maisonnettes provisoires, et histoire de dire que ça y est, maintenant on a une ville continue jusqu'à Jérusalem. Donc du coup, on a le même statut que Jérusalem entièrement, c'est plus isolé. C'est le même principe, ça touche à ça. Dès qu'on va se retrouver avec deux villes qui sont chacune à moins de 70
amas, ça, chacune, tu lui donnes 70 amas, 70 amas, elles sont donnant les deux villes collées, tout est considéré comme une seule grande ville, et du coup, là, celui qui habite dans la partie A, qui s'appelle A et B, même si c'est considéré comme une seule ville, eh bien, il pourra même avoir le demi-amas de l'autre côté de la ville. Et inversement aussi, vous avez compris? C'est le principe qui nous dit, c'est que dans cette situation où on a évoqué la mesure de donner un carpaf, de donner les 70 amas à chacune des villes. Mais par contre, si tu as juste une ville toute seule que tu veux lui calculer les 2000 amas, tu ne lui donnes pas le carpaf et après tu commences à calculer les 2000 amas, pas comme ce que tu as dit Rabbi Meir. La prochaine Mishnah qu'on étudiera continuera le principe de Rabbi Meir en le poussant encore plus fortement. On reviendra de nouveau sur ce même principe, Bezrat Hashem, quand on étudiera. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.